J'ai besoin d'une mexicaine là. Là, il y a les avis du magasin là. Et les churros sont tellement secs. Oh! On dirait qu'ils ont une semaine. Bon, yo tout le monde. Tu parlais? Non. Vas-y, tu parlais, non? Je n'en continue. Ok, bon, yo tout le monde, si vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, aujourd'hui, on va manger des burritos pour la première fois. Burrito, hein? Burrito, ouais. C'est mexicain, hein? Ouais, mexicain. Ok, bon, les gars, on voulait faire cette vidéo-là depuis longtemps, depuis à peu près 2-3 semaines. Mais on a cherché un magasin de burrito, un resto de burrito. Et finalement, ce n'était pas un burrito bisous, c'était quoi? C'était genre un magasin, ce n'était pas un restaurant, c'était un magasin. C'était mexicain, non? Ouais. Il arrivait en ligne, il a vu qu'il n'y avait pas de burrito, donc on a laissé tomber. Et là, aujourd'hui, je suis allé sur Uber, j'ai trouvé un burrito loin, là. Et puis là, j'ai commandé, et puis là, c'est arrivé. Et on va manger ça en live devant vous pour la première fois. Non, il m'a arnaqué les jours. Quoi? Les churros. Ok, non, c'est bon, ils sont là. Parce que les gars, j'ai commandé aussi des churros. Il y en a deux. Il y en a juste deux? Oh non, frère. Trois, il y en a quatre. Je vois quatre. Les churros, on va les manger à la fin de la vidéo. Et ici sont les burritos, frère. Oh, c'est gros, hein? Oui, oh! What? Yo! Et c'est gros! Oui! Le mien, il est bombé. Moi, oh, il y a... c'est bombé, frère. Moi, il y a bœuf. Ouais, toi, t'as pris... oignon. Bœuf, oignon, quoi d'autre? Plein de choses, attends, je sais plus c'est quoi. Bref, moi j'ai pris poulet. En plus, poulet c'est le plus populaire, ils ont dit. Oui, ça. Donc toi, c'est toi que tu vas aimer ton bœuf là. Hein? C'est sûr que je vais aimer. Ok, vas-y. Ça sent tellement bon. Ouais, ça sent bon. Attends, aussi. On prend ça. Et c'est gros, frère, genre. Ça fait la tête de ma tête. 3, 2, 1. Moi, t'étais là? Oh! Oh, yo! Non! C'est tellement validé! J'ai l'impression qu'on aurait dû me mettre plus de poulet. Genre, j'ai envie de. J'arrive à goûter le riz, le pain, là, le pita, les haricots et tout, mais le poulet, c'est comme s'il est derrière, tu vois. Moi, je le goûte bien, là. Parce que toi, il y en a beaucoup, frère. C'est du bœuf aussi. Ok, une bouchée seulement, une non, bouchée. Non! Prends une bouchée, je prends une. Seulement une, hein? Ouais. Okay. Ouais, quand même. Tu sens le poulet? Je sens, ouais. Je vais juste prendre des bonnes bouchées où il y a tout. Là, okay. Je prends une bouchée là. Attends, parce qu'il y a tout. T'as pris quelle sauce avec? Sauce burrito. Est-ce qu'il y avait aussi sauce chipotle? J'aurais dû prendre ça aussi. Tout ça, ça peut se mettre en assiette, non? Ouais. Dans une assiette, on mange comme ça. Mais là, le mets juste dans un pain. Mmh. Mets tous dans un pain. Avec le fromage. T'as pris quel fromage? Normal. Moi, en fait, je sais même pas que j'ai pris. Je t'ai juste suivi, frère. Tout ce que t'as pris, j'ai pris. À part le bœuf, j'ai pris le poulet. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà mangé ça, mais genre, il y a longtemps, au primaire, là. Quand ils donnaient ça au dîner, là, tu vois. C'est parce que tu as déjà goûté le riz. Non, comment ça s'appelle? Les haricots dans la soupe chili. Soupe chili, ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ça aussi. Ouais. En plus, les oignons sont tellement bien assaisonnés. Mm-hmm. Mm. Tu penses qu'il y a meilleur que ça ou pas? Ouais. Comment? Quelle saveur? Comme. Il faut qu'on comprenne le bon combo, genre. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est pas un bon combo? Non, non, je dis pas que ça, c'est pas un bon combo. Mais il faut que, s'il y a un meilleur combo que ça, il faut qu'on le goûte. Mais comment connaître un bon combo? Oui, ça, je sais pas. Si vous avez déjà mangé des burritos, vous connaissez de bons combos, là, dites-le dans les commentaires, ok? Et là, on va y aller sur place. Et ce combo-là, c'est Bijou qui l'a fait. Mais en vrai, il est bon, mais je sens qu'il y a meilleur que ça. Quoi, il y a peut-être une sauce à ajouter, une sauce piquante, du sel, tout comme ça là? Ouais. Un défaut que je trouve sur ça, c'est que oui, on sent tout, mais on sent trop le riz un peu. C'est ça que j'ai dit. Je sens presque pas le poulet, frère. Il y a du riz, je sens le riz, je sens genre la sauce burrito, je pense. Je sens l'oignon, je sens la tomate. Mais ça n'arrive pas à sentir le poulet, frère. Le truc principal, genre je veux le poulet aussi d'ailleurs. Genre je veux que. C'est du riz en fait, c'est juste du riz et ouais, du pita. Tu peux faire quoi entre ça
Et le tacos français. Pour le moment, je préfère le tacos parce que ça, c'est la première fois que je le mange. Peut-être que c'est pas le meilleur combo. Alors que le tacos, j'ai déjà mangé ça plusieurs fois. Je sais déjà qu'est-ce que j'aime là-bas et tout. T'aimes les combos, tout ça. De quoi? Tu sais c'est quoi les combos? Je sais déjà ce que j'aime là-bas et tout, donc c'est ça. Mais celui-là, c'est la première fois que je le prends. Je sens pas le poulet, frère. Je sens le riz. Je sens tout sauf le poulet. Est-ce qu'il y a des napkins? Moi, j'ai fini. Oh non, ça, il y a des papiers là. Ils ont mis des fourchettes. Peut-être des gens vont manger ça avec des fourchettes. On mange des tacos avec des fourchettes. Des burritos. Juste laisse-moi voir s'il y a la sauce. Ça, j'ai les churros. Les churros, j'ai combien de sauce à côté. Nutella. Oh, il y en a. Non, mais c'est pas du Nutella. C'est du genre du caramel. Quoi? C'est du caramel, frère. Amène du Nutella. Hein? En plus, j'en ai juste deux. Donc vas-y, monte. Va chercher en attendant. Hein? Attends que je finisse. Vas-y, toi, c'était tous tes déchets. Pas moi. C'était des déchets, frère. Pas moi. Je t'attends. Okay. C'est bon, là. Prends un croc. Fini. Finis-le. Non, prends-le. Je vais manger tout à l'heure. Je vais le mettre dans le sac. Je vais manger tout à l'heure. Non, mange-le. Mmh. J'ai besoin d'une mexicaine, là. La mexicaine. Non, non, non. C'est une sorte de burrito, la mexicaine. Ça s'appelle la mexicaine. Bon, va chercher le Nutella, on va prendre le plus chargé. Range papier ciseaux. Range papier ciseaux. Va chercher. Donc, tu vas rester seul? Oui. Tu vas parler avec la caméra? Oui. Seul? Oui. Ok. J'arrive, les gars. Je vous laisse avec lui. On se voit dans 10 secondes. Je vais faire un doute. Avec une cuillère, hein. Je sais pas quoi dire. Ouais les gars, je suis de retour. T'as dit quoi? Rien. Je savais pas quoi dire. T'as resté comme ça? Ouais. Attends, t'es vraiment resté comme ça pendant 2 minutes là? Ouais. Ah, ok. C'est ça. On découpe en deux. Si y en a juste deux, l'autre je vais prendre pour moi seul, ok? Ou pour Trésor. Ok, ouais, ça va. Tu peux aussi goûter avec le caramel, imagine, c'est bon. Ok. Goûte les deux, ok. Goûte les deux d'abord. Commence avec celui-là. J'aime pas les churros en soi même. T'aimes pas? Le churros en soi même. Trempe-le bien, ok, vas-y. Oui, quoi? Non? Nutella, c'est bien. Nutella, ok. Avec fourchette. Pardon. Avec le Nutella, ça, ouais, ça passe. Ça passe? Mais l'autre, ça passe pas. Caramel. C'est du caramel même. On va goûter ça. C'est bon. Avec le Nutella, goûte seul. Il y a un arrière-goût là. C'est quoi? Goûte seul. Goûte seul. Seul. Bon, goûte avec le caramel. Non, non, non. J'ai goûté. Goûte bien. Il est bien. J'ai bien goûté. Non. Mais je préfère avec ça. Mais moi? Mais je croyais que sur la photo là, sur Uber là, je crois que vous avez mis Nutella. Voilà, on a mangé du burrito en live. Mais pas en live, mais genre devant vous pour la première fois. En plus, c'est la première fois qu'on mange du burrito. Hein. Je viens de le dire, pour la première fois, ouais. C'est la première fois qu'on mange du burrito. Hein. Et toi, t'as aimé ou pas, genre? Vraiment, t'as ressenti et tout? Moi, j'ai aimé. S'il y avait moins de riz, ça aurait été parfait. Mais là, c'était genre... Ouais. C'était nice, c'était bon. Et on dirait que c'était un nouveau magasin aussi. Ils n'avaient pas beaucoup de desserts. Le seul dessert qu'ils avaient, c'était ça, le churros. Donc là, ils ont dit... J'ai pas trop bon, mais ouais. T'as pas aimé le churros? J'aime pas aimer le churros en soi. Ok. Là. Le seul dessert qu'ils avaient, c'était du churros. Ils avaient des tacos et des tortillas. Non. Quesadillas, c'est juste ça qu'ils avaient. Donc je pense que c'est un nouveau magasin aussi. Donc là, peut-être c'est aussi des nouveaux employés, tu vois, je sais pas.
et tout, donc c'est pour ça. Mais sinon, la vérité, pour une première fois qu'on mange des tacos, oh, des burritos. Tacos aussi, c'est fait au Mexique? Oui. Tacos. On a vraiment mangé de tacos, hein? Mais attends, donc les vrais tacos, est-ce qu'ils sont durs? Genre, ils sont... Oui, c'est eux. Genre, et c'est genre, c'est triangulaire, hein? Ouais. Mais non, alors, c'est genre comme ça, en forme de bateau. Ouais, c'est ça. Mais alors, pourquoi les gens... Pourquoi on dit tacos pour le truc, là? Tacos français? C'est ça. C'est un tacos français. C'est pas un tacos. C'est un tacos français. Mais les vrais tacos... C'est mexicain. Et c'est genre, c'est en forme de bateau. Ok. Et on le mange genre comme ça? Ouais, comme ça. Ok. Quand est-ce qu'on pourrait manger des tacos mexicains? Si vous voulez qu'on mange des tacos mexicains, dites-le nous. Là, il faut qu'on aille au Mexique. Like. Difficilement. Attends. Difficilement, on a trouvé de burrito. On va trouver de vrais tacos mexicains ici. Okay. A few moments later. Là, il y a les avis du magasin là. Qu'est-ce que les gens disent? Quelqu'un a dit que le poulet était vieux. Je suis allé pour la première fois aujourd'hui. Il a écrit un paragraphe. Il a écrit sa vie. Commande Uber Eats. Oublie de l'extra de guacamole payé. Et les churros sont tellement secs, on dirait qu'ils ont une semaine. Vraiment pas impressionnant, je choisirais quesada. C'est quoi quesada? Un autre truc de burrito. Quesada. Frère, réutiliser ça, regarde qu'est-ce que j'ai dans les mains. Quesada. Parce que les gars, on n'a pas l'habitude de manger des churros, donc là on ne sait pas s'ils sont secs ou pas. En même temps, peut-être, imagine s'ils sont vraiment secs. C'est ça quesada. 4.4, fallait prendre ça. C'est un concurrent. 4.4. Étoile 4.4. Et l'autre, ça, c'est combien? C'est 3.8. J'aurais dû prendre ça. Oh, en plus, non, ça, c'est meilleur. Ça a l'air tellement bon. Les gars. En plus, encore plus gros que lui. On doit aller pour le concurrent. Regarde frère. Ça. Vous l'avez enfin. En ayant, en fait, ils disent que c'est sec. J'ai essayé de commander pour la deuxième fois aujourd'hui. Et les deux fois... Notre commande a été annulée après une heure d'attente. Juste pour être annulée à la dernière minute. Aucune explication. Voilà pour la vidéo, les gars. Like. Peace. Pour une Ciao, la famille. Nouvelle vidéo. Oh!